Ouh, la belle vacancière qui bronze au soleil sur la plage de Royan. Ah, les pompiers, c'est en prime. Nous sommes dans le port fricole de la Teste de Buch. Avec les bateaux. Caractéristiques de leur pont relevé et leur arrière plat. Et voici une barque ostéicole moderne, mais celle-ci est en bois. Les nouvelles sont toutes en soie endurale ou en inox. Elles sont caractérisées par un fond plat, genre radeau automoteur. Un modèle ancien, en instance de rénovation pour le transport des touristes, ça très certainement pour visiter la baie ou le bassin ostréicole. Et au départ au boulot, en profitant de la marée. Bassin de décantation des vitres. Touriste avisé. Là, nous voici devant les cabanes de traitement des huîtres et de préparation.
Et puis là, vous avez la personne. Qu'est-ce qui t'a pris là-bas? Elle l'a vu. Oh, mais là, ça ne va pas du tout. Et que je suis moche comme tout, tu exagères un petit peu. Mais non. Ça y est, on l'entend. Ah bah. Oh oui, en plus ça s'entend. Prise sur le fait en flagrant délit. Une mûre par-ci, une moins mûre par-là. Je sais pas, ta femme elle aime ça? Oh oui, elle aime ça. Il faut arrêter. Ah, et voici du haut de la dune du Pila, le banc d'Arguin, avec dans le fond le début de certains parcs à huîtres, la pleine mer, et là ici le célèbre Cap Ferret. L'entrée du bassin d'Arcachon. Et là ici, le bassin d'Arcachon. Et la forêt qui l'entoure. Ah là, nous sommes au point culminant de la dune. D'un côté, il y a la forêt des Landes. Et de l'autre, on retrouve le fameux banc d'Arguin. Aujourd'hui, nous sommes à Biarritz, la plage, avec les surfeurs. Voilà, pour se baigner, c'est pas terrible. Bien que le bruit de la mer empêche les petits poissons de dormir.
Biarritz, la ville. La maison est taillée dans le rocher. Et dans le fond, c'est la plage d'Anglette. C'est l'océan et le rocher de la Vierge. La Vierge sur son rocher. Voilà. Et dans le fond, il y a Eric. Nous sommes à la limite extrême du rocher de la Vierge, face à l'océan. Nous voici à Saint-Jean-de-Luz. Hein? Sa plage. Port avec ses fortifications, l'entrée du port et le large. La chapelle de Nara. Oh là là, ça c'est pas les anchois. Sur la plage, c'est simplement le départ d'une épreuve de triathlon. Là, nous voici dans les rues piétonnes de la vieille ville. Avec les murs de l'église. Ah, et au loin, une piétonne, une vacancière et son équipement qui arpente le sol hardiment. Le sourire aux lèvres, comme toujours. Bon.
s'asseoir, la jeter du bout du port. Et je crois que on a intérêt de se dépêcher d'aller au bout, parce qu'avec les vagues qu'il y a déjà là, avec la marée montante, on doit être légèrement esclaboussé en revenant. Nous arrivons sur le port de Saint-Jean-de-Luz. Et toujours la même touriste. Nous sommes sur la plage de Rambail. Avec sa coque rocheuse caractéristique. Et les surfeurs. Les grosses vagues. Et en face, c'est l'Espagne. C'est la fin de l'estuaire de la Bidasoa. Andaille la nuit, les nuits andailloises, avec l'océan en furie. Oh là, et toujours une jolie promeneuse. Nous sommes à la fenêtre de notre hôtel, l'hôtel dit l'hôtel Bellevue. En face, c'est l'Espagne. Ouais. Et les chalutiers espagnols, bien à l'abri dans la baie de la Bidasoa. Et ce matin, le temps est brumeux, même très brumeux, on ne voit pas la montagne. Ici, nous sommes à Biriatou. C'est à l'extrême limite du territoire. Et la route, eh ben, elle se termine là. Et voilà. Et derrière la route, on se retrouve au fronton de Pelote Basque avec l'auberge de celui qui se marre tout le temps, Barène. Le temps est vraiment brumeux et dans le fond la Bidasoa qui marque la limite du territoire français en face d'Espagne. Dans le destin de la rue. La
montagne n'est guère sous le soleil. C'est pas le petit train de la rune, c'est le petit train de la brume. C'est chaud. Ah, le train qui descend. Et dire que l'on va passer par là. Les cheveux dans la montagne. Sommet de la rune. Le temps est légèrement bouché. Oui. Mais par soleil, on doit avoir une vue vraiment formidable. Le monument dédié à l'impératrice Joséphine lors de son ascension sert aussi de borne pour séparer la France et l'Espagne. Alors là, voici le chemin de pierre. À gauche, c'est la France, à droite, c'est l'Espagne. Là, ici, le Seber est situé en Espagne. Même la camionnette de France Télécom, ben, elle est garée en Espagne. Elle est à droite du chemin. Les vilains. Le temps se lève un peu. Mais c'est pas encore terrible. Sur les rails ? Oui. En bas là, sur la gauche. Il passe derrière le poteau là. Où c'est qu'il y a le micro. Ah, le train dans la montagne. Ah, ça, c'est celui qui descend, celui-là. Oui. Thank you.
nous sommes ici à Espelette, le pays du piment. Tiens, des piments. On vient même encore les portes de la ville. Alors ici, c'est la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port. On dirait des kiwis, mais ça n'a pas la couleur d'un kiwi. Ça a la forme d'un œuf. Là, nous sommes sur la place. Devant notre hôtel, toujours une vacancière de rêve. Pensives à souhait que bientôt les vacances vont se terminer. Que c'est beau la tonnelle. Nous allons attaquer la montagne. Voilà une vue de Larynx. Et la montagne dans le brouillard avec ses nuages bas. Oh, la route du fromage. Et les gros arbres. Il y a des petites flèches, tu lâches. Tu rappuies. Et voici Gouette dans les nuages. Là, ça va, la dame arrière. Nous voici à la petite erreur, une petite erreur. Qu'est-ce que c'est? C'est une gourette. Eh bien, nous y voilà. Toujours avec beaucoup de nuages. Et il commence à faire frais. Oh. 1709 mètres. Et toujours la même touriste.
que l'on rencontre partout. Et la route se perd aussi dans le brouillard. La vue est plutôt limitée. L'image s'accroche à la montagne. L'inévitable marchand de souvenirs. Ah, les moutons envahissent même la route. Cloche des vaches dans les champs. Les vaches, c'est les moutons. Ah bon, c'est des moutons alors. Toujours le brouillard sur les cimes. Les troupeaux de vaches. Nous sommes devant la fontaine et dirons-nous des innocents et une pas innocente dans le milieu.